Les conditions de vie sont de plus en plus dures autour du Brasero, mais la solidarité ouvrière est forte. J'ai tenté de la casser avec des épreuves extrêmement dures, comme celle des poteaux, mais Fabrice ayant été vigile au Monoprix et Sophie, vendeuse au bon marché, ils n'ont eu aucun problème à résister. C'était même plus agréable, j'avais pas besoin de sourire toute la journée. Tous tiennent bon, y compris Lydie, la petite ouvrière du Pas-de-Calais, dont on ne comprend pas vraiment les propos. Attendez à la petite garde avec caca et bilk, que j'ai pris à carrette. Lydie qui, lors de l'épreuve de la découpe, après 16 heures d'astreinte, s'est endormie et a hélas perdu un bras. Bah chez la VIA. Lors du vote, je pensais qu'elle serait la première à partir. Mais pour court-circuiter l'émission... Chacun a voté contre soi. Vous m'avez bien niqué avec votre solidarité à deux balles, mais mes actionnaires s'impatientent. Et on verra comment vous résisterez à l'épreuve de demain. Bonjour et bienvenue dans l'épreuve de demain. Lors des épreuves précédentes, vous avez fait preuve d'un extraordinaire esprit d'équipe. Mais cette fois... je vais vous briser en deux. Vous n'y arriverez pas, on lâchera rien. C'est pour ça que je vous ai prévu une épreuve spéciale dont la récompense sera... un CD. Le salaud. Enfoiré. Un CD, le rêve. Wow, 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 les gars, on reste ensemble, hein, on bouge pas. Je vous ai concocté un véritable parcours du combattant en trois étapes. La traversée de la piscine chimique, l'épreuve de la reconversion dans la livraison par internet dite des cartons, et enfin, la plus difficile, celle que vous redoutez tous, le parcours chômage Pôle emploi. Et pour éviter toute concertation de votre part, l'épreuve commence maintenant. Vous êtes prêts? 3. Oh oui, moi je suis pas prête, moi non, je peux pas y aller. Non, 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 Sophie, non, Sophie, tu non, pars non, pas, d'accord? 2. Je m'avais essayé d'impostituer après les plombs pour gagner un peu d'argent, parce que j'ai plus rien. Calme-toi, Sophie. 1. Puis j'ai fait réparer ma Clio, ça m'a coûté plus cher que ma Clio elle-même. Mais regarde-moi. Pardon, ah. Regarde-moi. C'est exactement ce qu'il veut. Si tu craques maintenant, ça va être chacun pour sa gueule. On n'a jamais dit que ce serait simple, qu'il n'y aurait pas des sacrifices à faire. Mais ensemble, tirez. Oh, le fils de pute! Allez! Mes filles, me m'aider! Désolé. Rivière. Allez, on y va! Allez. Et la course est lancée. Pour traverser la piscine chimique, extrêmement corrosive, les candidats doivent porter des bottes de protection. Mais malin comme je suis, je n'ai mis que 3 paires pour les 4 participants. Fabrice va devoir prendre une décision. Mais il va devoir maintenant rattraper son retard, car Nathan a déjà presque rempli son caddie de livraison de commandes internet. Sophie, avec son catastrophique sens de l'orientation, s'enfonce dans une spirale de l'échec qui vire au n'importe quoi. Fabrice reprend l'avantage et semble sur le point de rejoindre Nathan en phase finale. Dernière boîte, F45, F45. Désolé. Sophie éliminée, Fabrice peut maintenant rejoindre Nathan dans la dernière épreuve, la plus difficile et surtout la plus longue, car ils vont devoir compléter leur dossier auprès de Pôle emploi. Une épreuve qui promet d'être intense. Oui, je quitte pas. Oui, allô? Non, je quitte pas, j'attends. Une
une épreuve de patience, mais aussi de self-control. Ah, allô ? Mais Nathan ne semble pas très bien maîtriser ses nerfs. Oui, madame, bonjour. C'est pour refaire mes droits ? Mon identifiant. En fait, on m'a transféré là, dans votre service. Je viens de le taper sur le clavier du téléphone, donc pourquoi vous voulez que je vous le redonne ? Bien sûr, je vous le redonne. Vous avez retrouvé mon dossier ? 518. Mais vous pouvez... 46. Vous pouvez pas perdre les dossiers comme ça. 32. C'est pas possible de les perdre. V. Excusez-moi, je suis désolé. V. Est-ce que ça vous dérangerait si... V. On pourrait refaire le dossier ensemble ? Comme Véronique. Comme voiture. Voilà. Profession. Pas voiture. Non. Ferrailleur. Et bien sûr que j'ai ce document soigneusement rangé dans mon classeur depuis 2 ans. Quand on utilise de la ferraille, tonnasse ! Ferraille ? Alors, très bien. Oui, j'ai tout rentré. C'était long. Oui, mais écoutez, pour moi, tout est complet. Je n'ai plus qu'à valider. Nathan ? T'as pété l'écran ? Ouais. Donc, pas l'ordinateur. C'est terminé ! Fabrice, venez me rejoindre ! Yes ! Votre dossier est complet, vous remportez donc cette épreuve ! Nathan, ça ne sert à rien de débrancher cette box, il est trop tard ! Fabrice est le grand gagnant de cette édition de Koh-Lanta Florange et repart avec le CDI ! Une victoire qui montre encore que la concurrence permet bel et bien le dépassement de soi-même ! Fabrice, c'est un sublime message de ténacité que vous envoyez à l'ensemble de la classe ouvrière ! Ferme ta gueule, Denis ! Pardon ? Au début de cette aventure, j'aurais jamais cru qu'un jour, je devrais rentrer en concurrence avec mes collègues. Mes proches. Mes potes. Tout ça pourquoi ? Pour ça ? Mais ce que j'ai surtout appris aujourd'hui, c'est qu'une autre voie est possible. Comme avec le tien. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'une autre voie est possible. Avec le cas de Bellout. Arrête, s'il te plaît. Qu'une autre voie est possible. Qu'on est tout prêt de changer le monde. Et qu'il suffit de tenir. Ensemble. Fabrice, vous êtes en train de dire que vous refusez ce CDI ? Tu sais ce que j'ai en fait ton CDI, Denis ? Non. Oh, pardon, merde, ça va. Fabrice, vous venez de justifier les violences policières. Bouge pas, tu te mets à terre ! Bouge pas, tu te mets à terre ! Bouge pas, tu te mets à terre !